C'est avant tout une palmeraie. Elle est très grande. C'est du belvédère qu'on la voit le mieux. La flûte, c'est Monsieur Amara. Il joue un très vieil air du désert. Il est souvent sur ce rocher. Et en bas, il y a Monsieur Abdallah qui chante la chanson du chameau. شامت مسيو عبد الله بالفدية اللي بدواني شامت C'est aussi au pied du belvédère que se trouvent les sources qui alimentent l'oasis. Et abondante toute l'année. Le palmier est bien sûr la grande ressource. Il demande beaucoup d'entretien. Il faut couper les branches mortes. Qui seront d'ailleurs soigneusement ramassées. Il chante la chanson du palmier. Puis au printemps, on attache sur les régimes femelles une petite branche de pollen qui les fécondera. C'est l'époque aussi où on récolte sa sève que nous appelons l'aiguille. Tenez, goûtez, c'est bon. Le lait des palmes n'est pas alcoolisé, mais si on y fait fermenter de l'orge, alors on obtient du vin de palme, le kishmi. On le boit entre amis, en mangeant des amandes. Il peut titrer jusqu'à 20 degrés. Dégustation qui peut durer fort tard dans la douceur du soir.